Et coucou YouTube, vous savez où est-ce qu'on va? On va là-haut, in the sky of the moon, let's go to the moon. Y a quoi sur la lune? Y a une église. Bah ouais, dans toutes les lunes de chaque planète, y a à chaque fois des satellites qu'on appelle la lune. Et à chaque fois dessus, y a une église. Et là, celle-ci, c'est l'église où va se marier Bowser. Et nous, vu qu'on n'aime pas les mariages, on va aller annuler le mariage de Bowser avec notre copain Mario. Mario, l'anti-mariage. Hein, ça vient de son nom. Mario, c'est... C'est la négation de mariage et donc du coup il est là pour niquer le mariage de Peach. Mais le problème c'est que ça a crash. Oui, à chaque fois d'habitude je lance la VOD après avoir lancé le niveau pour justement compenser le fait que ça allait crash. Mais ça faisait quelques niveaux que ça crashait pas au lancement. Mais là malheureusement ça a crashé au lancement. Du coup je relance YouTube, vous avez le droit à l'envers du décor. Oui, ça crash quasiment à chaque fois qu'on change de niveau, mais c'est pour ça qu'on aime ce jeu, c'est parce qu'il crache et que en plus il nous fait cracher du sang par les oreilles et les yeux, bien sûr. Donc pour moi, c'est la première fois que je te regarde un vrai live. J'espère que ça te plaît, Lulu. Normalement, je devrais être un peu plus calme. Là les boss, c'est vraiment des trucs où ça m'énerve beaucoup. C'est assez dur à gérer. J'aime pas être m'énerver tout ça sur des boss, mais. C'est comme ça que je réagis face à un boss et je suis en stream et du coup je vais pas m'amuser à réagir autrement juste pour faire plaisir aux gens qui n'aiment pas les gros mots. Malheureusement, je n'ai pas un vocabulaire si évitant à tout point les gros mots, du coup j'en dis de temps en temps quand je fais des boss, mais j'en dis beaucoup moins quand je ne fais pas de boss, bien sûr. Incroyable comment t'es fort, c'est gentil 0330, mais c'est pas être fort, c'est s'entraîner. Hein, c'est grâce à beaucoup d'heures d'entraînement. Tu l'as vu de toute façon tout l'entraînement 0330 contre ce boss là. Et je dirais c'est pas une force de jeu, c'est une force mentale en fait de réussir à faire ça. Et je n'aurais jamais réussi mentalement à faire ça si je n'étais pas en stream avec des viewers qui sont derrière moi qui m'encouragent. Et même avec ceux qui m'encouragent pas, merci quand même à... Non, pas merci à vous, mais j'ai quand même... Ça me donne quand même envie de continuer, même ceux qui m'encouragent pas. Voilà comment je peux dire. Enfin, ceux qui m'encouragent, mais très maladroitement, on va dire. Ah oui, alors, il y en a 2-3 que j'ai banni. Il y en a 2-3 que j'ai banni 10 minutes. C'est juste, en gros, quand je suis en train de tryhard et qu'il y a des gens qui me disent « calme-toi », qui me disent « prends, respire », ça a le don de m'énerver énormément. Et c'est juste pour pas m'énerver, en fait. Je calme mes nerfs sur un bannissement de 10 minutes, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes banni 10 minutes de temps en temps pendant que je tryhard un truc. Je ne dirai rien verbalement, mais je vais juste vous ban pour pas vous entendre pendant 10 minutes. Donc s'il vous plaît, si ça vous arrive, ne le prenez pas mal. C'est juste, si je vous bannis pas, je vais péter un câble. Et en tout cas, ça a rien contre vous. Hein. Bien sûr que je sais très bien que vous essayez de m'aider, mais ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. On est d'accord que c'est mort là. Je peux pas traverser. Alors, on va brancher une deuxième manette. On va jouer à la triche. On va jouer comme des petits tricheurs. On va brancher une deuxième manette parce que là... Ah, normalement, on est censé utiliser la carapace rouge pour faire un saut plus haut. Sauf que je viens de la sacrifier. Et donc, je vais utiliser la technique du jeu multijoueur pour configurer une seconde manette. Alors, attendez. Contrôle, joueur 2. C'est bon là en fait, non? Ok, je crois que c'est bon. Attends, appliquer. Attendez, j'essaye. Émulation. Attends, faut que je mette en multijoueur. Comment on met en multijoueur? C'est ça. Jouer en duo. Ok, commencer en duo. Et du coup, la deuxième manette, c'est celle-ci. Voilà, c'est Capi. Ok, et donc du coup, si je... Ok, ça marche. Donc ça veut dire qu'il faut que j'appuie là. Attendez, ma manette est là. Si je saute, je peux voler. Ok. Au lieu de tricheur. Bon, non, c'est pas tricheur, je joue à deux. On a le droit de jouer à deux, c'est un jeu qui est multijoueur. Je vois pas d'où c'est de la triche. C'est juste, j'ai pas de pote à côté de moi pour. Personne à côté de moi pour m'aider, donc je demande à moi-même, hein, bien sûr, quand on. Attends, mais jamais je traverse en vrai, en fait, là, si. Oh, dommage. Et c'est mort. Bon tant pis. On repasse en mode un joueur et je fais pas ce niveau. Il m'a saoulé. Hop. C'est vraiment des niveaux de merde. Oh, je suis... En fait, je suis pas fait moi pour les jeux Mario 2D. Hein. Les Mario en 2D, je trouve ça pas marrant. Ça nous procure un plaisir qu'assez médiocre, on va dire. De se jouer à ce genre de jeu. Alors... Ah attendez, j'avais pas grillé, mais y a pas le...
Il n'y a pas le... En gros, normalement, sur la Lune, on a une gravité lunaire. C'est-à-dire que bah, la gravité est plus faible. Et du coup, l'attraction est plus faible. Et donc, on saute plus haut. Là, on saute pas plus haut. Hop. Le mariage. J'ai pas envie de m'habiller en mariée. C'est moche, non? Je préfère m'habiller en... En chapeau de paille et maillot de bain. Voilà. C'est ça, le style. Il t'a déjà saoulé. Oh, les jeux en 2D où tu peux pas y arriver et que tu, quand tu tombes, t'es obligé de tout recommencer depuis le début. Sans moi. Pays de la lune. On achète une lune? Vu qu'on a des thunes. J'achète. Nya 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 nya. Na 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 na. Allez, on a déjà une... Voilà. Ça, c'est la lune qu'on voulait rattraper tout à l'heure. Et bah, du coup, je l'ai achetée. Comme ça, au moins, on a pas besoin de la prendre. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, c'est parti. Alors, est-ce que le saut, il passe? Oh, de toute façon, là, ça devrait pas être trop compliqué. C'est rigolo de faire la lune sans, les... sans la gravité lunaire. Ça va être particulier. Alors, le P, il fait quoi? Oula, c'est loin. Bon, ça va le faire, non? Bon, il y a trop moyen d'y arriver, mais... ça va être compliqué. En vrai, j'aime bien. J'adore. Là, en vrai, je passe... je suis vraiment heureux d'avoir fini ce boss-là. Enfin, d'avoir fini Bowser. Et d'enfin pouvoir m'attaquer à des trucs sympas là. Là c'est rigolo, faut juste être méga rapide. On va y arriver. Faut que je fasse des transitions aussi rapides que celle-ci. Ok. Ils font chier à mettre la caméra dans le mauvais sens. Bon, j'étais là en début hein. Vous avez bien vu comment j'ai galéré. Ils ont millimétré ça pour que ce soit quand même assez dur à faire. Et on y retourne. Alors attendez, je peux faire un truc peut-être. C'est genre... Ah mince! Attendez. Apparemment, on peut lancer directement la casquette dessus. Du coup, on va l'utiliser cette technique. Bah, s'il y a un modo qui peut valider la prédiction. Ah non, attendez. Ok. Allez, c'est parti. Oula, j'avais pas vu que c'était une boule de... Aïe. Allez. Je connais pas la réponse. Oui, on a gagné. On a gagné, Paulinette. On a été les meilleurs du monde entier dans ce live incroyable. Et on prend Yoshi? Alors, il lui faut des fruits, Yoshi. Ah, il y a un lapin aussi. Yoshi, il arrive à monter là-dessus, vous pensez? Non. Bah lui, il a une gravité lunaire, en fait. Hein. Soit j'ai un skill incroyable, soit j'ai un bol de fou. Je pense que j'ai un bol de fou. De pas m'être fait toucher une seule fois par ce truc qui va méga vite. Yoshi, il est resté là? Non, il s'est barré. Ok. Bon, je pense qu'on va y aller tranquille, là. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et il y a quelqu'un qui a payé pour boire de l'eau. C'est 0330. Il a payé pour boire de l'eau. On peut tous boire dans le chat si vous êtes chaud pour de l'eau. Ou froid pour de l'eau. Enfin, quand vous êtes chaud ou froid, de toute façon, c'est de l'eau. Alors, on va prendre le drapeau. Je prends le drapeau et je bois de l'eau. Ça vous va? Histoire de valider les choses. Oh, on voit être les fruits. J'en vois pas de fruits à Yoshi. Aujourd'hui, j'étais en sortie scolaire à Paris. Et je dois en faire une conclusion. Je dirais, je ne veux jamais habiter à Paris. Il y a beaucoup de gens qui veulent jamais habiter à Paris. Moi, je t'avoue, moi aussi. Pourquoi il s'est passé quoi? C'est quoi qui t'aime pas à Paris? Ça fait loin. Moi, je sais que Paris...
Moi, c'est dans les grandes. Moi, j'ai réduit encore mon truc à je ne veux pas vivre dans une trop grande ville parce que j'ai. Je sais pas, moi, j'ai du mal. Il y a trop un rythme trop intense dans les grandes villes. Que j'ai vraiment du mal à. Que j'ai du mal à apprécier en fait. Mais Paris, c'est pire. Vraiment, Paris, pire ville ever, non. Enfin, je. Il y en a qui vit à Paris parmi vous? Moi, j'adore Paris. Bah, tu vois, comme quoi, il en faut tout pour un monde. Bon, je peux y arriver, c'est sûr. Faut juste se concentrer mieux. Allez, go. Les perspectives, c'est chiant. Après 6 ans à Paris, ça commence à m'a saoulé. Ah ouais. Oh. Le pire, ça doit être... Être un smicard à Paris, ça doit être tellement difficile en plus, enfin genre... Parce que quand t'es à Paris et que tu mets tout ton loyer, tout ton argent dans un loyer et que du coup tu ne peux rien faire de tes week-ends et de ton temps libre, du coup tu profites même pas de toutes les activités que peut te proposer la ville, à part bon bah si te balader dans des parcs, enfin il y a forcément plein de trucs gratuits à Paris j'imagine, hein, mais Paris, ouais. Ouais, je trouve ça... Bah, ouais, quand tu peux prendre ton temps. Mais c'est vrai que moi, je sais pas, moi, je trouve que c'est quand même... La ville est stressante en tant que telle, quoi, enfin... Après, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, je... Je dois admettre. Oh, mais c'est pas possible. Je vis en campagne, mais pour avoir vécu quelques années dans une grande ville, bah, j'aimerais bien y retourner. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, je sais que j'aime bien y aller, mais de temps en... Enfin, pff, moi, je trouve pas qu'il... Enfin... J'entends souvent moi quand moi je vis en campagne aussi et j'entends souvent les gens se plaindre en disant qu'il n'y a rien à faire dans leur ville alors qu'au final bah si il y a plein de trucs à faire, c'est juste enfin moi je trouve ça bizarre le bah, je sais pas en fait, c'est quand t'as envie de rien faire ouais il y a rien à faire, mais quand t'as envie de faire des trucs tu trouves toujours quelque chose à faire en fait, enfin mais c'est chiant en vrai cette lune, elle m'énerve, hein. On se concentre. Si tout ton argent est dans ton loyer, comment tu manges? Non mais dans le loyer et la bouffe, bien sûr. Bon. Quand le seul arrêt de bus est à une heure de marche, je préfère largement vivre en ville. Ouais. Ou t'achètes un vélo, quoi. Ok, on a réussi! Moi, je préfère largement acheter un vélo plutôt que de prendre le bus. Hein. Je déteste prendre les transports en commun. Je les prends jamais. J'habitais à Lyon, moi, je traversais la ville. Je traversais la ville en skate ou en vélo tout le temps. Parce que je détestais me retrouver dans le métro, là. Oh, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Avec que des gens qui tirent la gueule partout. L'objectif, c'est celui qui tire le plus la gueule qui gagne. Je trouvais ça fou. Oula, non, je voulais pas ça. Avec TCL, mais oui. Les Vélov hyper lourds. Et après, ils en ont fait des nouveaux moins lourds. Mais c'est les Vélov. Je prenais des vélos, ils pesaient 200 kilos. C'était trop drôle. Moi, j'aimais bien faire du vélo. À Lyon. En vrai, Lyon, c'est une ville, elle est quand même... Enfin, tu fais vite le tour, en vrai. Tu peux facile... En gros, en vélo, en 20 minutes... Si tu pédales assez bien, tu peux aller d'un bout à l'autre de la ville en vrai. Je sais pas quoi faire. À quoi ils servent les fleurs là? Moi je vais partout à pied. Ah, je t'avoue, il y a des trucs quand ça commence à être trop long à pied, c'est pas forcément. Enfin. Genre, à Paris, se balader à pied, en vrai, Bah, faut pas avoir envie de traverser la ville, quoi. Parce que sinon, t'es un peu dans la merde. Et en vrai, pareil, Lyon, il te faut quand même une bonne heure et demie, deux heures pour traverser la ville. Ah, je sais pas exactement. Les trolleys de Lyon, les fameux. Les trolleys? C'est quoi les trolleys? Bon, on arrive dans le vif du sujet, là. Mon seul pote, bah, c'est personne. Faut que j'aille là, non? J'aille en bas ou pas?
sais pas si je dois aller en bas ou pas. Ah d'accord, si. Quelle est les gougouttes. Ok. Bah, je suis pas en train de skip tout le niveau là. C'est quoi le concept là? Attends, y a pas des trucs planqués là qui pourraient être cool? Je connais pas ce niveau, les techniques de rapidité. Bah moi déménager en Grèce du coup, j'ai plus de potes. No joke. Quand on perd quelques onces, on se rend compte de leur valeur. Ah oui. Bon, tu t'en refais hein, de toute façon des amis. Hein. Enfin, faut justement, surtout, enfin... Après c'est difficile pour le... C'est difficile de se faire des vrais amis, des amis que... sur qui compter, etc. Mais... Oh, tu peux t'en refaire hein, faut pas des... C'est un peu déprimant au début quand tu perds tout le monde et que t'as envie de d'avoir du monde avec toi, mais... T'as au moins ta famille, j'imagine, déjà. Non? Pourquoi t'es allé en Grèce? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Je me rappelle même pas de ce niveau. Il existe. Enfin, c'est pas. C'est normal, c'est pas ça le niveau aussi. La lune elle est là-bas, mais on peut pas la prendre, d'accord. Il faudrait un canon. D'accord. Je viens de comprendre ce qu'ils veulent. Ils veulent un canon pour casser ça. Mais non, c'est un cube. C'est pas une lune en plus. Je piche pas. C'est pas ici en fait qu'il faut aller. Il fallait aller faire l'énigme du sphinx en fait, c'est ça. Je me suis juste trompé de. De niveau, non. Exactement pareil. Mais ça me dit rien ça. On prend rien de toute façon ce qu'il faut faire. On va aller on va aller faire le sphinx. Là tu retournes en arrière. Bah là je t'avoue je sais pas quoi faire hein. Donc faut que je reste ici en fait. Il faut que j'avance quoi. Faut que j'aille là-haut quoi, mais je peux pas y aller quoi, c'est le problème. Là. Salut Evangel, comment tu vas? Faut un canon, puis tu prends un truc qui vole et aller au bout pour aller au mariage. Il faut un canon, puis il faut prendre le truc qui vole. Le truc qui vole, qu'est-ce qui vole? C'est ce que j'ai là? Pour aller au mariage, il faut un canon. Et je utilise quoi avec le canon? Ah, explose la cage, d'accord. Loin. Ouais, je sais pas. Comment on peut faire? Comment vous faites-vous pour la péter la cage avec un canon? Faut lancer un méga boulet? Il y a une cage de l'autre côté. Ok. Ah bah. Ah. Bah. Oui, bon là c'est...
C'est pas ça très évident. Enfin, il est bizarre ce niveau, enfin je sais pas. Peut-être moi je suis débile, mais moi j'imagine, hein. Vous allez tous me dire ça, bah ouais, t'es débile, moi je connais tout par cœur, je suis trop fort. Ouais, bah je suis pas d'accord avec vous, hein. Je trouve ça bizarre quand même comme niveau. Du coup, elle est où la cage du coup? Elle est censée être où la cage? Elle est là, ok. Donc il faut que je prenne ça, je tombe, et je lui tire dessus. Et du coup, je fais quoi avec cette cage là? Rien. Pas du tout celle-ci. Faut que j'allume les flammes en fait, c'est ça? Là, si je saute dessus, ça l'allume? Non, ça l'éteint juste après. Non, si, c'est bon. Faut que j'allume toutes les flammes. Ok. Alors, il y a d'autres cages? Là-bas. La cage elle est là, ok. Donc je vais utiliser. Mais oh! Mais vas-y. Ok, là c'est. Ah, c'est bon, en fait c'est ça. Ok, enfin! Nickel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la plaque mouvante ou pas? Je m'en fous de la plaque, non? C'est marrant qu'ils aient mis un système de plaques alors que j'en ai pas besoin. Ah, pareil ici en vrai, non? Je pensais que je pouvais m'accrocher. Oh les bâtards, on pouvait pas s'accrocher. Enfin, je pensais que Mario il allait glisser dessus, mais oui, non, c'était pas forcément la meilleure idée. Hop là. Du coup, je recommence à partir de là. Paye ton jeu de qualité exemplaire. Ok, go. Non, j'appuie sur la gâchette. On recommence. Aïe, 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 aïe. Bam 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 bada bam bada badam. Ok, go. Allez go. J'adore secouer. Allez hop, là. Mais oh! Bon. Dommage. En vrai, c'est cool. J'aime bien. Ah, vu que la plaque,
Elle vient et elle repart. En vrai, je vais quand même l'activer. Au lieu de pas l'activer, je vais l'activer. Et je pourrais m'en servir de temps en temps, ouais. Allez, go. Allez, avance. Ok. Ok. C'est parti. Ok. Ok. Mais non. Oups. Oupsi, 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 psi, 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 psi. Ça te stresse, Lydie? Aïe. Ah, moi, je stream pas pour stresser mes viewers, hein, je t'avoue. Ça m'embête que tu me dises ça. Genre, je suis stressant comme streamer. Hop là. Ça commence, on commence à être un peu plus efficace sur cette partie là. Oh non. J'ai vraiment réussi à survivre à ça. Cool. Ok. Oh là là, je meurs pour rien, je vais trop vite. Faut prendre son temps. Il faut se poser 2 secondes, réfléchir à l'objectif de la vie, et puis y arriver quoi. Oh. Quel hasard que de tomber là-dessus. Allez go. Ok. Allez hop. Hop. Oh non. Et putain. La fucking boîte qui se ramène et qui me pousse ma casquette pour m'empêcher d'aller de l'autre côté. Je l'ai mis justement pour me sauver la vie et elle fait tout l'inverse. Là techniquement c'est Mario, c'est un Mario Kirby. Regarde quoi. Hop. Et coucou save trap. Hop là. Allez go. Oh mais j'en ai marre. Oh là là. Allez go. Non mais sérieux. J'appuie sur les putains de gâchettes. En gros les gâchettes, je sais pas, mes doigts ils sont... J'ai les doigts baladeurs, les mains baladeuses sur les gâchettes et je clique partout. Enfin j'appuie dessus sans faire exprès. Et ça m'arrive souvent de mourir à cause de ça. C'est quand même triste. Hein. En fait c'est parce que je fais du motion control. Je suis obligé de lever mes index. Pour être sûr de pas appuyer par inadvertance sur les gâchettes. C'est triste quand même d'en arriver à là. Bam.
Mais merde. Qu'est-ce que c'est dur. Je sais pas si j'ai mis premier. En fait le truc c'est que je sais pas. Ça a pas l'air si dur en fait, c'est ça qui m'embête. C'est juste que je m'y prends peut-être mal. Allez go. Merci, on se concentre. J'en veux pas de ça. Mais c'est pas possible. Ok. Oh là 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 là. On y retourne. Allez go. J'aime bien en vrai. J'aime beaucoup. C'est un peu frustrant de devoir tout refaire depuis le début à chaque fois. Mais bon, je m'y fais. Enfin, c'est comme la phase extrême de la lune quoi. Enfin la phase de... C'est pas trop... Je m'y fais plutôt quoi. Aïe aïe aïe, on est presque, on y est presque, 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 presque. Oui, je suis presque, 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 presque. On va y arriver, c'est une question de tryhard. Allez, go. Allez, go. On y est, on y est, on y est. Allez, hop là. C'est trop cool. Ok. Y'a pas de sauvegarde? Bon, faut que j'évite le gros canon. Est-ce qu'il aura 1000 chapeaux? J'imagine qu'il aura 3000 chapeaux. Non, peut-être pas, ouais.
C'est là. Quand est-ce qu'il se déclenche? Là. Normalement il est censé être énorme. Là il va pas être énorme. Comment est-ce qu'on est censé aller jusqu'au bout? Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait une sauvegarde alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi les viewers me disent qu'il y a des sauvegardes et au final... Non, au final c'est des... Ils me détruisent tout le plaisir que je peux avoir. En vrai je peux pas aller jusque là-bas avec un canon aussi... aussi court, non? Y a pas des boules de feu? Ah en fait ça se trouve c'est juste... Il est infini, c'est juste que... C'est juste qu'il est petit, du coup faut que j'évite les obstacles. Non c'est bon. C'est infaisable. C'est un checkpoint ça? Ah si c'est un checkpoint c'est parfait en vrai. En vrai ça va être faisable du coup. Ah parfait. Oh nickel. Attends, on va faire comme ça. Il n'y a pas de vie, non? Nickel. Allez. 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 Parfait. En vrai, c'est cool, c'est cool. Attends, il y a 2 secondes. Non! Oh non, mais non! Mais non! J'ai secoué la manette pour que ça le touche, mais ça l'a pas touché. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on recommence ici, c'est vraiment des bâtards. Vas-y, je le fais pas, c'est épouvantail. Ah si, on est obligé de toute façon. En vrai, c'est pas dur, hein. C'est quoi en bas qui brille? C'est une lune? Je la prends pas. Allez, je la prends pas, ça me va. Go. Nanana. Ça fait quoi ça? Ah oui la lune. C'est chiant les lunes, on n'arrive pas à savoir où elles sont. Allez vas-y. Cool en vrai, je pensais pas qu'elle était comme ça. Il s'arrête jamais j'espère hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des trucs pour pouvoir le débloquer j'imagine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a un P là-haut. Attends vas-y. Bon.
J'imagine que ça doit être là-bas, non? Donc si je mets... C'est lié à ça, on est d'accord. C'est lié à quoi? Et où c'est cette lune? Bon, pourquoi c'est une lune? En vrai, celle-ci, je m'en fous. Alors comment aller là-haut? Vas-y, attends, je vais récupérer ça parce que ça n'a aucun intérêt. Ah là là. J'arrive pas de... Oula, je vais y crever là. Je comprends pas du tout ce que je vais faire ici. Je tape dedans, ça se fait rien. Il bug un peu le machin quand même. Ah, en fonction de comment on le regarde, il bug en fait. Alors attendez, si... J'active le P là-haut, mais il faudrait que la casquette soit... Ah, mais je pourrais y arriver en vrai. Là-bas c'est quoi? C'est les pièces, ok. Ça fait quoi en gros? Il y a une cage. Avec des trucs pas intuitifs du tout. Bon, si l'on mis haut, c'est que forcément c'est pas ça, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bon, il y a peut-être des wall jump à faire ici, non? Non. Ah si, il y a nul là. Mort là. Faut pas lancer la casquette vers le haut quand tu es prêt. Bah je vais essayer, on va réessayer ça. En gros il faut que je la jette vers le haut. Je remaintiens Y. Attends, est-ce que je peux faire... Non, je vais essayer. Si je fais... Ok. Attends, on réessaye. Si je me mets genre... Ah, j'y suis presque, j'y suis presque. En vrai, ça doit être ça. Attends, on va essayer. Oh. Allez, hop. Aïe. Hop. Non, c'est pas ça. Ok. Ouais, j'ai déjà activé un P avec la casquette tout à l'heure. Ah, dommage. Si on y arrive, c'est incroyable. D'ailleurs, à mon avis, ça va pas résoudre le problème. Ça résoudra pas le problème parce qu'en fait le problème il est pas là. J'appuie sur les boutons dans le mauvais sens. Je me concentre au plus.
C'est insupportable le chat. Hein. Allez hop. Allez vas-y, j'ai envie d'y arriver. Je suis même pas sûr en plus que ce soit faisable mais... Hop là. Hop là. Allez. J'arrive ce move. Faut pas que je secoue. Attends, pourquoi je secoue en fait? Bah faut que je secoue qu'une fois, pas deux. En fait je secoue deux fois en fait, c'est à cause de ça. J'appuie sur Y avant d'appuyer sur E. Y'a qu'un coup de motion control à faire et j'en fais deux à chaque fois. Non, faut pas que je fasse... Je fais des trucs qu'il faut pas faire. C'est ouf. Allez. Hop. Et pas ça. Hop là. Marrant, j'ai un problème de... J'arrive pas à faire les touches que je veux en vrai. En vrai, c'est tellement des combinaisons complexes de touches que j'arrive pas. C'est ouf. Non, mais faut pas que j'appuie sur la gâchette de gauche, il faut que je fasse quoi? Je lance, j'appuie sur Y et j'appuie vers le bas. En gros, il faut que je fasse. Attends. Il faut que je fasse. Pas sûr, en vrai ça marchera pas ça en fait. Bon, t'es pas. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Oh. Ça m'énerve. Alors attendez. Y'a pas genre un endroit où y'a un pixel en moins et on pourrait grimper dessus. Nanana. Non. Attends. Attends. Hop. Je prends plus. Bon, ça me saoule. Y'a pas genre d'autres lunes à choper. Ah merde. Chier. Alors. Bon. On recommence. C'est reparti. C'est reparti pour l'action. Alors. Bon. Oups. Oh là 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 là. Va falloir s'entraîner ça. C'est parti. La merde. Qu'est-ce que c'est chiant. Ça m'insupporte. C'est insupportable. Toc, tic, toc. Allez, c'est parti. Let's go. Oh merde. Ok go. Boum.
Ah, bing, bang, boom. Oh non, 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 non. Bon bah let's go. Alors faut tout refaire à chaque fois. Il trouve ça rigolo ça de tout refaire à chaque fois. Bon au final on va finir par être bon normalement j'imagine. Mieux. Au moins on a full life. La casquette elle arrive. Voilà. Ah. Boss 1, boss 2. Non, non. Oh là 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 là. Allez. Allez. Putain de jeune merde. Aïe aïe aïe. Ce qui est relou, c'est de se taper un vieux chemin avant. Ils font chier avec leur chemin à la con là. Un truc juste pour te faire perdre des cœurs quoi. Oh bah voilà, et vas-y on se suicide parce qu'on peut pas faire le boss avec 3 cœurs parce qu'on n'y arrivera jamais. Hop là. Bon, let's go. En vrai c'est pas trop compliqué, elles se gênent un peu les deux là. Ce qui est chiant, c'est au début, j'ai du mal à pas perdre de cœur au tout début. Oh, mais voilà! C'est un jeu de merde! Bon, ouais, on recommence. Let's go! J'ai bien un petit peu de difficulté dans ce niveau quand même. La voici là. Hop! C'était pas le bon Mario, exactement. Oh, mais sérieux! Coucou Shipima au passage, merci pour ton follow aussi à Komiyaku, à Quizless aussi qui nous a follow, il y a Nat Ixus aussi qui est là. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Moi je passe un très mauvais moment, mais ça va bientôt s'arrêter quand on aura réussi à tuer le boss. Hop là. Alors. Yep.
Hop là. C'est bon, on peut rouler là en fait, non? On va juste être droit en fait. Ça passe. Bon, maintenant je saurais qu'on peut aller à droite. Trop bien ton test sur Skyward Sword, ça donne envie d'en voir d'autres. Ah bah merci beaucoup The Bradenas. Et j'espère que... je suis content que c'était... Ah bah. Où j'aille à droite, il y a moins de vomi. Ah non. Oh non. Allez. Allez. Il y en a un qui a bugué. Ça veut dire qu'elle est morte, hein, ça veut dire que je vais jamais pouvoir la voir. On est tué une mais pas deux du coup. Et l'autre elle a bugué. Tu m'étonnes qu'il y ait du vomi à tourner comme ça. Bah elle est malade. Bah voilà, jeu de merde. Ah le vomi violet, on peut l'effacer. Bon signe ça. Bon au moins on sait qu'on peut l'effacer, puis il faut juste qu'elle bug pas la deuxième. Ça devrait mieux se passer. Maintenant que je sais que je peux effacer le vomi, en vrai ça rend le boss bien plus simple. Hein. Ah mais putain, vas-y on y va avec deux cœurs, on s'en fout parce que c'est un jeu de merde. Hop là. Mais vas-y, pas un seul cœur. Vas-y mais crève, petit con de Mario. Pardon, mais ça m'énerve. Juste mettre un truc juste pour te faire perdre la vie, pour devoir recommencer sans pouvoir faire le boss. Je trouve que c'est... Enfin... C'est pas marrant. C'est de la fausse difficulté ça. C'est littéralement de la fausse difficulté. C'est de l'endurance quoi on va dire, mais c'est... Ça nul. Ils ont mis ça dans le Mario, tu sais, dans le jeu normal, tu sais, il y a un niveau où tu meurs et tu recommences depuis le début. Mais c'est le jeu, quoi, c'est le mode hyper, enfin, c'est le mode hyper chaud. Là, le but du jeu, c'est pas que ce soit endurant, là, le but du jeu, c'est d'avancer dans un truc méga dur. C'est pour ça que ça m'embête d'avoir des trucs où c'est des concours d'endurance qui te demandent. Allez, mais putain, mais... Ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. La difficulté artificielle, bon... Artificiel, c'est de la vraie difficulté, mais j'ai pas envie d'avoir des concours d'endurance. Moi, je veux des concours de diff. Je veux juste en chier parce que c'est dur, quoi. Mais là, j'en chie parce que c'est de la merde. C'est juste pour ça. Allez, hop, on y va. On se plaint pas. On est heureux comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse est méga content de faire ce truc vraiment pas très drôle, mais quand même assez rigolo. Allez, c'est parti. Eh oui, mais je vais pas droit. Mais comment tu veux aller droit? Y'a pas une flèche qui te dit que t'es droit.
Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Eltonic en profite pour offrir non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas cinq, mais oui, bien bonjour, 10 subs. Sub. 10 subs offerts à la chaîne. Merci beaucoup, Eltonic. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Pour ces 10 subs offerts. Un sub offert à Gabdo. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. À Gabdo. À Shipima. On a un sub offert à Infinity Gen. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. À Katogi, à Lorne Ascarian. On a également un sub offert Ekamen. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. À Père, la Galère Gaming. Et aussi KitKat, Stormbring. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Skullslink aussi qui a reçu un sub de la part d'Eltony. Merci encore, Eltony, pour tous tes subs, c'est vraiment trop gentil. Oui, bonjour, merci. Ce serait pour annoncer un sub. Merci beaucoup, merci infiniment. Hop là. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Attends, on se concentre. On passe ça. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Alors, hop. Le boîte marche pas. Ah, j'ai dû oublier de le démarrer. Non. C'est de la merde. Alors, le bot. Ouais, je l'ai pas démarré, le bot. Hop. Bon, il démarre. Hop là. Alors. Le chat, je vais le mettre devant mes yeux, nickel. Let's go. Oh, mais fou. Waouh, on est mort parce qu'on a perdu un petit cœur et que c'est nul, c'est pas rigolo, fait chier quoi. Mais putain. Bon bah avec deux cœurs on va tenter hein. Bon le boss c'est pas trop dur, y'a moyen en vrai. Si je manipule bien l'IA. Ok go. Yep. Alors attendez, oh bah y'a peut-être moyen de nettoyer avant. On va nettoyer avant de commencer. Pas genre esquiver le boss. Vas-y, je me casse. Bon bah GG. Hop là. Super. En vrai, j'aimais bien le boss, mais c'est dommage qu'il l'ait mis en mode... Déjà, c'est dommage qu'il bug. Et c'est dommage qu'ils aient mis un truc de merde avant de faire le boss, quoi. Sinon, j'aurais bien aimé le tryhard, mais... En vrai, on l'a plus ou moins gagné, là. Enfin, on a plus ou moins gagné. On a tué un sur deux, quoi. Donc ça va. L'autre, elle a bugué. On l'a fait bugger le premier boss, du coup, ça veut dire qu'elle est morte. Techniquement, moi, je suis désolé, quand tu bugs, c'est que t'es mort. Et... Bon, Bowser, maintenant, par contre, ça va me saouler. Enfin, c'est pas forcément très joyeux de passer ce monstre là. Après si c'est le même Bowser que tout à l'heure, enfin que l'autre, en vrai c'est possible hein. Que le premier. C'est combien de temps que la VOD tourne? Une heure? Je sais pas combien de temps ça va nous prendre le Bowser mais... J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler en tout cas. Parti. Let's go to the moon.
Hello, Peach. Oh, Mario. Ouf, j'ai cru que ça allait crash. Bon. D'accord. Ah, y a pas un truc laser géant qui tourne en boucle? Ok. Ok. Ah, c'est pas là. Allez. Bon. Un petit peu déçu quand même qu'ils aient mis le premier Bowser hyper dur et que le deuxième soit facile. Après, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça se trouve, c'est fait exprès que ce soit facile parce que la difficulté, elle est maintenant. Et j'ai pas envie de crever là. D'accord, y a pas Bowser. D'accord. Il fallait prendre tous les chompes. Ils sont tous morts. Ils repotent. Bah, j'ai perdu. Non. Attends, par contre, je vais pas me retaper le boss en boucle. Ah non, ça va, d'accord. Je pensais qu'on allait se taper le boss en boucle. Ok, tranquille, tranquille, tranquille. Tant qu'il n'y a pas le boss à chaque fois. En vrai, s'il y avait le boss à chaque fois, je l'aurais pas fait, en vrai. Je pense que... Enfin, on va pas pousser... Oh non, mais genre... Est-ce qu'il faut vraiment utiliser les Goomba ou pas? C'est vraiment haut comme mur. Attends, peut-être que... Et genre... Oh non, 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 non. Bon, ça va. C'est cool que tout soit pas timé. Ça m'aurait saoulé qu'ils m'attendent pas, en vrai. Merci, Exelo, pour le GG. Ah, attendez. Ah,
Ok. Le faire en triple saut pour avoir la distance. Allez, s'il te plaît, tape un triple saut, Mario. Mais sérieux, qu'est-ce que tu comprends pas dans triple saut? Ok. Mais oh, pas possible! Et jamais j'ai la. Jamais je vais là-haut en fait. Comment on est censé faire? Comment tu réapparais pas au début du combat? Si je réapparais trop au début du combat, j'aurais déjà arrêté. Mais alors attendez. Mais s'il te plaît, cale-le ton triple saut, fais pas chier. Hop là. Hop là. Il manque 3 mètres. Quelqu'un a une idée là? Essayer de faire un backflip et caler un double saut. Pareil, enfin j'ai plus de distance avec un triple saut en vrai, non? On peut dire en backflip hein, si tu veux, mais. Peut-être hein, mais. Non. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ah, le saut, tu roules sur Capi. Bah oui, mais le problème, c'est pas. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Xenyox qui claque son premier mois d'abonnement. Merci beaucoup, Xenyox. Bienvenue. Bienvenue à toi. Le problème, c'est pas la distance et la hauteur en fait. Le saut que je fais comme ça, en gros, il va pas me permettre de gagner beaucoup de hauteur. Attends, je vais essayer. Attendez, je l'ai mal fait. Normalement, on est censé faire une galipette et prendre plus de hauteur que ça. Attendez. On va se mettre en diagonale un petit peu, genre comme ça. On a pas du tout là. Y'a pas un passage en dessous? Bah ouais, mais je crois que si en dessous je touche la. C'est... Je suis à la mort là. Là, la mort est juste. L'étage d'en dessous, je crois. Peut-être pas assez rapide en fait. Ouais, faut être plus rapide en fait, c'est juste ça. Faut juste être beaucoup plus rapide. Y'a pas de technique de base, Staycraft Live. La technique de base c'est d'avoir Bowser, y'a pas Bowser. Mon but c'est pas de rendre les choses plus dures hein, mon but c'est de finir le bout hein. Croyez pas que je fais exprès de galérer hein. C'est quoi ces conseils de merde franchement. Ah putain, trop tard. Ok, ok c'est bon, c'est que de la vitesse. Faut être rapide. Hop là.
Let's go. Hop. Non! J'ai mal regardé les ombres. Allez, on se suicide, on recommence. Allez, on y va. Allez, let's go. C'est frustrant sans musique, ce niveau-là quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Aïe, aïe, trop tard. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Eltony qui offre 5 nouveaux... On va mettre une musique de fond aussi. Hein. Merci Eltony pour ses 5 subs. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Après, si je mets une musique de fond, pour la VOD, ça risque d'être oui, un peu bonjour, chiant. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Alors, on a un sub offert à Sky Kiko, à Akalis, à Metamucen. Metamucen. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Chan aussi qui a reçu un sub de la part d'Eltony. Et Minty aussi également, je préfère prendre des distances de sécurité avec le oui, Covid. Oui, bonjour, tout. Ce serait pour annoncer un sub. Des distances de sécurité. En tout cas, merci beaucoup Eltony pour ces 5 subs offerts, c'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup, merci pour tous ces subs offerts au final, parce que t'en as pas offert que 5 aujourd'hui. Merci beaucoup Eltony. Est-ce que tu viens de faire Undertale? On l'a déjà fait Undertale. Par rapport au deuxième. Ah, par rapport au deuxième, j'ai compris. Oui, je pensais, j'étais pas sûr de comprendre la vanne, mais là c'est bon, je l'ai compris. Bon, ce que je propose, c'est qu'on y va. Allez. Allez, attention, attention, attention. Mais putain, ils me font chier ces gnomes. Vas-y, on meurt. Alors, attends, qu'est-ce que. Il y avait un truc que je voulais faire. On met de la musique ou pas? On met la musique de Mario? Non. Attends, qu'est-ce que je peux mettre comme musique? Alors, attendez, hop. Vas-y, je mets du Stolas. Let's go. Let's go, parfait. Bonne ambiance là, ça va être bien plus agréable. Musique assez forte histoire que on s'enjaille. Voilà, c'est parfait. Bon, dernière mort, et après on y va. Hop là. Oh mais vas-y, ils me cassent les couilles ces gnomes là. J'arrive pas à pouvoir être tranquille à faire mon saut parce qu'ils me sautent dessus. Bon, c'est pas grave hein, mais au bout d'un moment il faudrait qu'ils arrêtent de me voir. Non, Bowser c'était tranquille, il y avait rien. Il y avait pas trop de difficultés. Il me fallait un double saut, pas un simple. On est mort, on recommence. Faut bien que j'y pense, il faut faire lancer la casquette et lui monter directement. Elle est trop cool cette musique en vrai. Hop là. Putain mais fais chier. Et oh. Ba-ba-bam, ba-bam, ba-bam, bam-bam-bam. En vrai, je sens que j'ai dû tellement progresser dans le jeu depuis qu'on a fait... Ça faisait longtemps que j'avais pas joué depuis qu'on a fait le Superstar Mode. Et fallait que je balance un triple saut, je crois. Bon. C'est parti.
Oh. Par contre, je vous lâche pour la Ligue des Champions ce soir. Ah, et bah à tantôt, Eltony. Et profite bien de ta Ligue des Champions. J'espère que tu vas avoir à faire face à des sacrés champions. Allez. Bah là fallait être rapide hein. C'est cool en vrai. C'est cool comme concept. Je suis bien content qu'ils aient fait ça. Ça va être c'est du tryhard que j'aime un peu plus ça en vrai. C'est du pattern à apprendre, c'est un peu frustrant parce que bah t'es obligé de fail les premières fois mais. Mais sérieux. Bon c'est mort. Il y a un scooter. Ou ça à droite ou à gauche? Ah oui, c'est vrai que la roulade est plus rapide. Allez, putain. Bah oui. La roulade bien vue, donc pour le premier pattern vaut mieux que je fasse une roulade. Bien vu Tony Elias, là-dessus c'est good. Allez go. Je comprends pas encore trop ce qu'il faut faire avec le scooter. Allez. Je vais te faire du droit de gauche en vrai. Et il éclate tellement vite. Putain mais casse-toi. Allez. Oh non. Hop. Bom, bom, bom. J'avais pas vu mais il y a eu un follow de Dada Cup. Bienvenue Dada Cup. Oh!
Dommage. J'ai envie d'en faire une belle en vrai, j'ai envie qu'elle soit magnifique, mais là, ouais, petit à petit on va prendre chaque pattern, on va commencer à les maîtriser chacun. Ça va se faire petit à petit en vrai, hein. Ok. Ah putain. Let's go. Parti. Let's go. Chier. Alors. Boum 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 boum. Ok. Ah, je commence à avoir des bons trucs. C'est stylé en vrai, hein. Je kiffe là. Putain, c'est mort. Ah oui, c'est mort. Est-ce que c'est chiant d'atterrir sur un scooter là? Faut être précis, hein. Dis donc. Pourquoi j'attends un petit moment devant les premiers cubes? Bah parce que je peux pas les monter s'ils tombent pas. Donc j'attends qu'ils tombent. Hop là. Allez. Mais putain. Comment je fais? C'est chiant. Attends, il faut que je gagne une demi-seconde là-dessus. Attends, même une demi-seconde, j'ai le temps de faire simplement un saut. Comment faire? Oh putain. Et vas-y. Oh. Oh mais c'est pas possible. Yo, dommage. Ah. Allez, on recommence. Merci pour le courage, type du 62. Merci beaucoup. Hop là. Allez hop. Oh,
Hop là. Ah ouais, c'est vraiment une course de poursuite là. Allez hop, on passe là. On tourne là. On arrive là-bas. Oh non. Allez go. Aïe 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 aïe. Oh putain. Allez hop. Allez go. Oh. Dommage hein. Hop là. Bon. C'est cool en vrai. Enfin c'est cool. Ça me fait chier parce que je sais que c'est... Je sais quelle durée il a ce niveau. Et j'ai peur qu'on en ait pour beaucoup trop longtemps. Mais en vrai je pense que l'avantage c'est qu'une fois que tu connais une partie du niveau, bon, c'est pas grave, on peut faire une pause et reprendre plus tard en vrai. Et puis s'il y a besoin de refaire Bowser, c'est pas grave, il est quand même simple à tuer. Oh putain. Aïe aïe aïe. Oh mais putain. Ok. Il y a des triggers, Tony. Mais à partir du moment où j'ai déclenché le trigger du... dès que j'ai déclenché le trigger de... après les deux têtes de chien, pour l'instant, j'ai pas de pause. Hein. Là, ici, il y a une pause. Je peux faire ce que je veux, en fait. Et le prochain trigger, il se déclenche à partir du milieu de du chemin, là. Enfin, à partir de là, je suis dans la merde. Enfin, à partir de là, j'ai plus le temps, quoi. Les triggers s'enchaînent en fait. Ah putain. Et là par exemple ce trigger là, il se déclenche que quand je suis au-dessus. C'est pour ça que j'essaie de prendre une trajectoire en angle droit pour essayer d'atterrir directement sur le scooter en ayant le moins de trajectoire possible à traverser en étant au-dessus de la plateforme. Il se trigger au moment, à l'instant où je passe vraiment au-dessus de la plateforme. Du coup c'est ce que j'essaye de...
Là par exemple là elle se déclenche. C'est déclenché pile poil quand je suis arrivé dessus. Mais je crois que c'est mort là. Ouais dommage. C'est bien fait en vrai. Alors je sais pas si c'est le modeur qui les a fait ou si c'est le jeu qui a conçu ça. Les développeurs de Mario Odyssey, mais en tout cas, c'est bien fait. Hein. C'est mort. J'ai perdu une demi-seconde. On recommence. Ok. Oh merde. Let's go. Ah, j'aime bien quand ça se passe bien comme ça. C'est fluide en vrai quand même. Hein. Cet apprentissage, il vaut le coup. Ah ouais. Il faudrait que je saute, que je plonge et que je fasse un saut arrière pour ensuite continuer. Mais ça... Bah, j'ai au moins la strat, je sais ce qu'il faut faire, mais maintenant il faut réussir à le faire. Oh non. Ok. Allez. Oh non. Trigger, ça veut dire déclencher en anglais. Donc le trigger, c'est quand tu déclenches un événement. C'est bon, c'est... Ah dommage, bah, c'est mort. Ah là là. Bam. Bam bada bam bam. En vrai c'est cool parce que ça fera... Bah, le moment où je vais y arriver, le condensé va être trop cool. En vrai, enfin, avoir un try aussi joli que ce qu'on va avoir ici, ça va faire plaisir. Bon ça me saoule, vas-y là c'est mort. Let's go. Bam bada bada bam bam bada bada bam bam bada bada bam. Ah mais putain. J'ai plus le feeling là. La unité galère ou pas, ça va en vrai. Je m'attendais à pire en vrai. Plus il n'y avait pas la gravité lunaire en fait sur la lune. Allez go. Par contre il y a ça qui est dur quoi. Et on peut considérer qu'on est sur la lune là. Ha ha ha!
ça vous amuse à écrire message supprimé dans le chat, bah vous pourrez plus jamais envoyer de message. C'est con hein. C'est con quand même la vie hein. Le prochain qu'on voit, bah déjà... Moi je bannis tous ceux qui écrivent message supprimé dans le chat hein, je vous préviens. Hein. Après vous vous expliquerez avec les modérateurs, vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes banni mais... Moi ça commence à me saouler les mecs qui s'amusent à juste écrire message supprimé dans le chat. Vous avez rien à dire, vous dites rien mais vous amusez pas à écrire des messages supprimés dans le chat. Hop là. Bon meurt. Je sais pas, la première partie, la seconde est effectivement galère. Oui, oui là, effectivement. En vrai c'est galère mais c'est kiffant. Clairement, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être pas finir aujourd'hui parce que ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Mais clairement c'est cool. Ça demande de faire la lune en parfait quoi. Enfin faut que ce soit parfait le chemin. Et c'est plutôt cool en vrai. J'irai peut-être même voir une vidéo pour plus me... Bah, pour que ce soit pas compliqué, pour pas que j'ai à tout apprendre, à tout découvrir. Je sais pas, mais peut-être que j'irai en voir une tout à l'heure. Mais c'est impossible! Qu'est-ce qui me manque là? Ah, faudrait que j'aille tout droit en fait. Ah, ouais. Bon, au moins on a battu notre score là. Enfin, le truc c'est que je vais plus loin mais je me rends compte que ça va être encore... Que j'ai pas la bonne strat en fait, c'est ça qui est chaud. Allez, c'est mort. Tu pourrais pas faire ça toi? Si, bien sûr que si, tout le monde peut le faire. Hein. J'ai rien de particulier moi, hein. J'ai juste je tryhard. Hein. Comme tout le monde. Hein. Si tu tryhard, tu y arriveras. Si t'as pas le mental pour pouvoir aller jusque là, bah bon, ça c'est... oui, mais tu peux pas dire que tu peux pas y arriver. Enfin, tout le monde peut le faire. C'est simplement appuyer sur des touches d'une manette. Hein. Il faut juste tryharder jusqu'à ce que tu y arrives. Quoi. C'est de l'apprentissage, c'est comme, je sais pas moi, avoir ton bac quoi. Tu te dis pas... À 8 ans que tu peux avoir ton bac. Bah pourtant, bien sûr que si, que tu pourras l'avoir ton bac, mais il faut travailler pour ça et il te faut 10 ans, 10 ans de plus dans ta vie pour y arriver. Et ça prend le temps qu'il faut, il y en a pour qui c'est rapide, il y en a il leur faut 20 minutes pour devenir fort, d'autres il leur faut 20 ans. Et bah... Quand tu veux, tu peux en vrai. Quand tu veux, tu peux, c'est pareil pour tout quoi. Y a pas de... T'es pas capable de le faire. T'es pas capable à l'heure actuelle de le faire. Bah la preuve que bah moi non plus je suis pas capable à l'heure actuelle de le faire, t'as vu j'y arrive pas. Mais j'y arriverai au bout d'un moment grâce au tryhard quoi. Et oui. Il y a des progrès, c'est ça qui compte. Oh 0330, t'appelles ça du progrès là? On arrive même plus à passer le premier mur. Non je rigole, hein. Mais oui, du progrès. Allez. Hop là. Zelda 64, c'est quoi Zelda 64? J'ai besoin de voir où je vais, je sais où je vais. Oh, ça y est, c'est mort. Et putain. Après, je sais pas ce qu'il faut faire, faut aller à droite. Quel... Bon, on y arrive. On y arrive en tout cas. J'avais remarqué que tout est gratuit dans le shop online de la Switch. Non.
Bien sûr que non. Non, 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 c'est pas... c'est pas Noël. Même si c'était Noël, ce serait pas tout gratuit. Ouais, j'ai pas attendu, j'ai pas attendu assez longtemps. Hop là, tout, 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 tout. Allez. Allez hop. C'est mort. Doum doudou doudoum. Doudoudou boum badaboum. En vrai, ça m'énerve. Enfin, on va encore le faire quelques temps, mais je crois que ça commence à me saouler. Je pense qu'on va aller faire autre chose après. Il est quelle heure, là? Il est 20... Il est presque 21h. Je pense qu'on joue jusqu'à 21h. Et après... Je me serais dit, on irait faire du Zelda, mais on... On a fini Breath of the Wild. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire dessus. Peut-être, ouais, j'ai quand même envie d'aller chill sur Breath of the Wild, peut-être. Du Breath of the Wild damageless. On essaie de jouer à Breath of the Wild sans mourir. Ouais, non, sans prendre des dégâts. Et on reset si on prend des dégâts. C'est genre un peu d'entraînement à ça pour essayer de préparer une run un jour où on ferait ça. Ça vous chaufferait? Hop là, ça va être difficile, bah je pense, ouais. Déjà, si on arrive à finir le prélude aujourd'hui, ce serait cool. Ok. Mais comment, comment on est censé pouvoir aller jusque là-bas? Qu'est-ce qui me manque là? En fait, faut garder le scooter. Je vais aller voir sur internet comment ils font les gens. À la limite, on s'arrête là. On s'arrête là. Je vais aller voir sur internet avec, avec le chat de Twitch, mais YouTube, bah du coup, je vous emmène pas. Du coup, je fais des gros bisous YouTube. J'espère que ça vous a quand même plu, cette petite partie. On a pas mal avancé, on a fait pas mal de choses. On a fait la lune et du coup, on travaillera plus tard cette partie-là parce que... J'en ai marre. J'en ai juste marre. Du coup, gros bisous à vous YouTube et à la prochaine. Bye bye pour la finir du jeu. J'espère qu'on va le finir demain, enfin la prochaine fois. En tout cas, au revoir YouTube.